Waouh les amis, voici les 5 jeux mobiles les plus satisfaisants du monde en une seule vidéo. Tous ces jeux sont hyper satisfaisants, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Et cool, un petit 2 pour commencer. Alors toi, tu vas te mettre au plein milieu. Voilà, parfait, maintenant je commande un autre 2. Désolé monsieur, mais j'ai commandé un 2. Bon, c'est pas grave, je vais te mettre à côté du 2, mais vous avez intérêt à bien vous entendre. Oh, 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 pars pas trop loin. Ah c'est bon, le 2, tant attendu est là. Je vais l'associer avec le 2, maintenant les 2, 4. Non, ils ont pas réussi à s'associer. Mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Alors celui-là, tu vas te mettre avec lui. Hop, parfait, ça fait 8. Je vais mettre un 2 au plein milieu. Un autre 2. Allez, le 4. Prends le 4 et le 8, le 8. La 16. Ok, on avance bien. On est actuellement sur Blobmerge 3D. Un jeu dans lequel, vous l'avez compris, on doit associer les différents blobs dans le but qu'ils se fusionnent ensemble afin d'avoir les plus grands nombres possibles. Et là, par exemple, premier objectif, c'est d'atteindre 128. Donc honnêtement, ça devrait aller assez vite. C'est un petit nombre. On va vite l'associer comme ça. On va très rapidement l'avoir. Mais le plus difficile dans ce jeu, c'est surtout ne pas mettre trop de blobs inutiles. Sinon, ils vont monter jusqu'en haut et on perdra la partie. Alors ça me fait beaucoup penser au jeu qui s'appelle 2048, où le but c'est d'associer également des nombres afin d'atteindre 2048, c'est assez énorme. Et le jeu de base est vraiment très difficile. Hein. Enfin, une fois qu'on a compris la technique, en vrai, ça va. Oh là, ils sont en train de tenir. Non, pourquoi ils s'en va le 8? Reste là. Alors, c'est pas grave. On va associer les 2, les 4. Parfait. Ensuite, le 8, et du coup, ça va rejoindre les 16. Ok, alors par contre, on a un 16 de ce côté-là, un 8. Dommage que le 8, il est pas de l'autre côté. Ça nous aurait arrangé. Ça aurait pris moins de place, on va dire. Allez, donc, on va mettre les 2 8 ensemble. Comme je l'ai dit, premier objectif, c'est les 128. Et ensuite, on passera sûrement à 256. Et ainsi de suite, il y a 512, 1024, 2048. 4096, 8192 je crois, si je me trompe pas. Bref, surtout, ne... Allez, passe au milieu, passe au milieu, passe. Détruis-le, passe au milieu, passe au milieu. Prends le 2, non il veut pas, c'est pas grave. On va associer les 2, 8 là, ensuite. Voilà, le 2, le 2, le 2, tombe là, tombe là. Oh non, il s'est accroché au mur. Bref, ce jeu a l'air super génial, on va pouvoir commencer sérieusement à avancer, mais juste avant, je vous demande à tous de mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo. Wow, 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 wow. C'est parti à s'associer pendant que j'étais en train de parler. Ok, je touche plus à rien. Et surtout, je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et nous, c'est parti, associons tout ça. Associons tout ça. Donc là, on est un petit peu mal barré parce qu'il y a un 32, il est esselé ici. Et il y a surtout le 64 à aller associer très rapidement. Alors là, regardez, normalement, c'est bon. Non, pourquoi t'es parti, toi? Oui, viens, reviens, 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 reviens. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, on va aller associer les deux. Mais c'est pas grave, de toute façon, tous les blobs qui sont un petit peu esselés comme ça, on les récupérera tout à l'heure pour d'autres raisons. Vous inquiétez pas. On les associera à notre moment, je pense. Bon, pour l'instant, je suis un peu mal barré, mais écoutez, c'est pas grave. Donc du coup, on va mettre les 2, 4, ici, ça fera 8, parfait. Ici, on va associer également là. Le 4, il faut absolument le sauver, sinon il restera bloqué pendant longtemps. Les 16, les 32, les 32, les 32. Oh non, ils se sont pas collés. Alors attendez, je vais essayer de les bouger. Vas-y, bouge là, bouge, 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 bouge. Non, il est venu entre les deux. Ah, il me manque juste ça et ça sera bon, on aura 128. Allez, s'il vous plaît. Ok, on a les 8. Ok, on va mettre un autre 8 ici. Les 16, pourquoi pas? Les 16? Non! Bon, je vous ai dit, je pense que c'est pas très grave. Dans tous les cas, on arrivera à se sauver de ce genre de situation tout à l'heure. De toute façon, des blocs qui servent à rien, on va en avoir plein. Alors, 32. Oh mince, il faut associer. Attendez, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas associer les 2, 64. Alors là, ça craint grave. Mais c'est pas grave, regardez. Les 8, le 16, le 32, le 64. Et c'est bon, on déverrouille le cadenas. Et premier niveau réussi. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Donc ça sera 200... Oh, ils sont redistribués. Ouais, 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 ouais. Oh, il y a une petite part de chance là-dedans. Et maintenant, il faut faire 256. Sauf que là, ben, mon gros 64, il est un peu bloqué. Alors malheureusement, on va laisser la... Quoi? Il s'est attaché là. Eh, hey, redescends, mec. Non, toi aussi. Mais vous... Mais arrêtez, c'est pas possible. Allez, les 4, les 8. Oh, on prend le 8. Oh, il aurait pu prendre le 8 au passage, mais non, il a pas pris. Allez, on continue. Donc, non. Pourquoi tu t'es associé là? Pourquoi? Toi aussi. Oh, c'est bon, c'est en train de tomber. Parfait. Le 8, le 8. Tombe avec le 16. Parfait. Tu veux pas rejoindre le 32, là? Tant que tu y es... Waouh, waouh. Les trucs, ils se maintiennent à la vie, quoi. Waouh. Mais c'est bon, à un moment, ils cèdent. Hop, 8. Bon, bah écoutez, on va y aller un petit peu random. On verra un petit peu ce que ça donne, parce qu'il y a une grosse part d'aléatoire, parce que, bon, les blobs, ils réagissent un petit peu comme ils veulent. Hein. Ils rebondissent plus ou moins bien, des fois. Les 2, on va les mettre là, tac. Alors, les 4, les 8, les 16, les 32. Ok, ça va continuer, là, ça va pas mal faire. Ok, parfait, on a enlevé un cadenas, apparemment, mais on s'en fout, nous, tout ce qu'on veut, c'est le 256. Alors, ça commence par des 2, évidemment. 2, 4, 6, 8. Non, non, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ok, les 2, 8. Le 8, prends le 16, le 32, le 64, le 128. Et c'est bon. Alors là, c'est parfait parce qu'on a pas mal redistribué les cartes.
On va dire que c'est plutôt bien organisé, là, maintenant. Oh, 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 là, il y a un part d'aléatoire, maintenant, là. Oh, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire 512. Et j'ai pas trop de blobs inutiles, hein. J'ai pas trop de deux qui traînent, c'est ça qui est cool. Ça prend pas trop de place, on va dire, hein. Allez, bouge de là, il faut passer, là, il faut un 8, là. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Je vais le faire avec comme ça, hop, voilà. Le 2, il faut absolument s'en débarrasser avant qu'il fasse n'importe quoi et qu'il prenne trop de place. Parfait, c'est bon, j'en ai eu un. Encore un autre, s'il vous plaît. Non, je m'en suis débarrassé d'un, mais il m'en a redonné un autre. C'est pas grave, regardez, hop, voilà, le 4, prends le 4, prends le 4. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, alors, ça aurait été génial que les deux 32 s'associent, mais bon, ça sera pas possible, c'est pas grave. Ils sont bien trop éloignés. Oula, 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 oula. Allez, là, je mets les 8, et là, ça va s'enchaîner. 32, 64, ok, 128. Donc maintenant, c'est celui-là qu'il faut absolument alimenter, le 128, là. Et ensuite, on aura fini ce niveau-là. Les 8, ok. Alors, attendez, hop, on va mettre ça là. Tac. Oh, ouais, c'est parti en vrille, là. J'ai même pas fait exprès sur la droite. Donc, on a dit, il faut un 32 ici. Et maintenant, mais il faut refaire un autre 32. Et ensuite, un 64, un 64. On va y arriver, on va y arriver. Allez, non, les deux 16, pourquoi vous associez pas? Oh, c'est pas grave, j'en ai un autre, là. Le 32, 32, 32. Yes, avec le 64. Ah, tombe, tombe, tombe. Yes, yes, yes. Mince, par contre, les 228, ils sont séparés. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, c'est pas grave. En vrai, j'ai pas trop de parasites pour l'instant, à part le 2 là qui est là-haut, qui va servir à rien pour l'instant. Les 2 4, 8. Hop, mettez-vous ensemble, parfait. Ok, 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 ok. Les 4, les 8, les 16. Wow, les 16, les 16. Oui, avec le 32. Non, il est parti de l'autre côté. Dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, il faudrait que je fasse tomber le 2 en vérité. Il me gêne en là-haut. Il va me gêner toute la partie s'il reste là. Allez, descend. Oh, pas mal ça. Allez, les 16, 32, ok, 64. Bon, bah écoutez, on va le faire à gauche. Allez, descend toi, mon pote, voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Il faudrait absolument récupérer le 32 qui est là. Oui, oui, oui. Non, ils se sont un mauvais. Il s'est mis avec le mauvais. Il aurait dû se mettre avec celui-là. Va à gauche, toi. Descends. Descends de là. Ok, ok, 32, 64, 128. Oui, allez, colle, colle, colle. C'est bon. Niveau réussi. On passe à 1024 du coup, la suite, deux fois plus. Waouh, les puissances de 2, ça nous fait réviser les puissances de... Oh, ils vont rester... Non, non, mon 512 va pas... Non, le 128 aussi. Alors là, les amis, on est très mal barrés. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Il faut absolument qu'ils bougent de là. Oh, mais non, mais je pourrais jamais les bouger de là. Ils sont bien trop ancrés. Je crois que ça va être un problème, là. On va avoir des problèmes. Bon, ben, on va se refaire une santé en bas. Il va falloir absolument refaire des 512 en bas. Oh là là, ils vont me gêner pendant longtemps s'ils restent là. Bougez de là. Bon, allez, vas-y. J'associe à fond. Allez, descendez, descendez, descendez. Il faut se refaire une santé. Waouh, je suis en train de faire n'importe quoi, mais j'ai débloqué un cadenas, apparemment. Oh, ça s'associe bien, là. J'ai de la chance. Allez, les 16. Touchez ensemble, les 16. Oui, parfait. Maintenant, il va falloir refaire un 32, s'il vous plaît. On a commandé un 32. Hop, là, c'est bon. Et voilà, on a déjà un 128 en bas. Il faudrait... Attendez, je peux le pousser, le 128 là qui est là. Pousse-toi, descends. Descends de là. Décolle-toi. Décolle-toi. Oh là là, je suis en train de faire une accumulation, c'est pas bon. Allez, les 16, les 16. Non, ils se sont séparés, c'est pas grave. Bon, par contre, les 228 sont séparés là par un 8. Donc ça, c'est assez gênant, mais c'est pas grave, ça va bouger à un moment. Oula, oula, tout le monde s'accroche là. Oh, j'y vais en mode random depuis tout à l'heure, mais ça va en vrai. Oh, j'ai juste un 2 là qui va me poser énormément de problèmes pendant longtemps, je pense. Ok, ok, ok. Les 64, s'il vous plaît. Non, ils se sont séparés. C'est pas un souci. Ok, les 32, 64, 128. Ok, on a déjà un 256. Ça, c'est très cool. Il faut absolument le mener en 512 une fois. Et là, on est en bonne voie. On est en très, très bonne voie. Ok, ok, ok. 128 à droite. Les 100, 256, 512. C'est bon. Oh là, si celui-là était en bas, ça aurait été tellement bien. En plus, ils sont gros. Il se serait sûrement associé. Ah, c'est dommage. On peut pas le pousser lui non plus là. Il veut pas descendre. Non, il veut pas, hein. Il a pas l'air de vouloir, hein. Oh là, je suis en train de faire. Oh, qu'est-ce... Oh là, je suis en train de tricher là. Ah non, 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 ça marche plus à un moment. Ça marche plus quand les nombres sont trop gros, ça marche plus. Oh, 32, oh, quoique, j'ai fait un 64 comme ça. C'est n'importe quoi. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. Oh là, oh là là, je commence à avoir beaucoup de caca là. Beaucoup de. Oh, mince, arrête, arrête. Je commence à avoir beaucoup de blocs inutiles. Mais c'est bon, ça s'associe. 32, 64, descend avec le 128. Oui, 256. On a un 256 en bas. Il faut absolument le transformer et on ne sera bon. Et j'espère qu'ensuite, le 512 ne sera plus bloqué là parce qu'il pose énormément de soucis. Et le 2, faut absolument qu'il s'enlève de là, hein, sinon il va m'embêter toute la partie. Et à mon avis, je vais perdre si c'est comme ça. Bon, j'avoue, j'y vais en mode random depuis tout à l'heure, mais ça va un petit peu plus vite. Disons que c'est plutôt pratique. Alors, on en est où? 32, ok, ok, ok. Il va vite falloir un 64 et on sera bon, je crois. Il me semble que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Donc, vite, un 32, voilà. Le 32, le 64, le 128, le 256 et le 1024 est prêt. Alors là, il faut beaucoup de chance, s'il vous plaît. Faites en sorte que... Oula, ça a bugué. Oh, ils sont restés bloqués là-haut. Mais tant mieux.
Tant mieux en vrai. Oh, non, descendez. Oh, ils sont en train d'arriver, c'est bon. What? Wow. Le 1024 est bloqué là. Ça, c'est dommage de ouf. Mais ça a fait un peu le tri, j'ai l'impression. Alors attends, je vais essayer d'en accumuler plein là ici en espérant qu'il s'associe avec le 1024 à force. Oh, oh là là, imaginez, ça le fait. Imagine, j'arrive à monter à 1024 comme ça, ça serait ouf. Allez, go, vous associez, oui. 32, ok, encore. Oui, non, pas de deux, il me fallait vite. Oui, 32, 64, ok, parfait. Oh, mais je vais arriver à le débloquer, le 2048. Je vais réussir à faire 2048 comme ça, juste en haut, là, en étant bloqué. En vrai, ça serait ouf. Allez, 64, ok. Bon, par contre, le 128, là, il faut absolument qu'il revienne. Mais ça va, il y a une plateforme qui tourne au milieu, là. Pratique, ça. Ok, 64, 128, mettez-vous ensemble. Non, t'en vas pas, mon pote. Non, il est parti de l'autre côté. Oh, par contre, là, il me bloque les deux accès, en vrai. Les deux, il me bloque, je peux plus aller en bas. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, les 16, mettez-vous ensemble, s'il vous plaît. Allez, je te pousse. Mettez-vous ensemble, j'ai besoin de place. Oui, non. Ok, c'est d'autres 16 qui se sont mis ensemble. Pour ce jeu, c'est un truc de fou. Oui, ok. Là, je commence à avoir beaucoup trop de blobs inutiles. Il va falloir que j'arrête de random comme ça. Il faut plus que je me concentre. Voilà, 64. Il faut absolument refaire un 32 là, à gauche. Ok, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nickel. Je vais réussir à faire mon 2048 en haut à gauche comme ça, sans me servir de ceux qui sont en bas. Bon, c'est un problème en vérité, hein. Ça fera juste beaucoup de blocs pour rien. Mais bon, écoutez, je peux pas faire autrement s'il se bloque au plein milieu de l'allée. Bon, on avance plutôt bien. 64, 128. Il faut absolument refaire un 128 à gauche, là, et on sera à 250. On aura un 512. Ah, ça va, on est en bonne voie. Les 16, les 32. Ok, il me manque un 64. J'ai commandé un 64 pour la gauche, s'il vous plaît. Alors, pour cela, il va me falloir un autre 32. Et un autre 16. Et un autre 8. Et un autre. Ah, là. Oui. Piou, encore un. On va refaire un 512. Ok, 64, 128, va prendre le... Oui, voilà. Non, t'associes pas avec le... Oh, quoique, oui. C'est bon. Let's go, on a enfin déverrouillé le passage. Oh, ça bug un petit peu là pour passer au 4096, mais c'est pas grave, on y est. On est au 4K. C'est parti. Non, ne vous bloquez pas. Ok, parfait. Le deuxième... Ah, mais c'est une... Oh, elle bouge la plateforme. Oh, elle va nous embêter, celle-là, je le sens. Bon, bah, du coup, maintenant, faut bien faire 4K. C'est exactement ça. Alors, le 32. Ouais, le 32, ça nous libérait un petit peu de place. Mets-toi avec eux, s'il te plaît. Non, pas avec lui. Bah, attends, oui, let's go. Allez, bah, du coup, on continue. Direction les 8192, du coup, qui sont la prochaine étape. Donc là, mon objectif, c'est d'associer le 1024 qui est en bas à gauche avec le 2048 qui est à droite. Donc, il faut très rapidement faire un autre 1024 qui se mettra à gauche. Et pour l'instant, je suis pas trop mal. Oui. Allez, 128. Parfait. On a un 512 qui est au plein milieu. Il est très, très bien placé, ce 512. Parce que dès qu'on va le passer en 1024, il va directement s'associer avec le 1024 et avec un peu de chance avec le 2048. Sauf qu'il y a un 8 et un 4 là qui me gênent juste au-dessus. Il va falloir les virer, ces deux-là. Ok, c'est bon. Ils se sont associés avec d'autres. Ça fait un 64 qui va venir faire un 128 ici. Ok, 2048. Oh non. Non, pourquoi tu t'es mis au milieu, toi? Non. Comment je vais faire là? Oh non, ne dites pas qu'il faut que je refasse un 2048, c'est trop dur. Enfin, c'est trop long surtout. Bon, bah, je vais respammer. Avec un peu de chance, ils vont s'associer à un moment. Faudrait absolument refaire. Faire passer le 128 ici là. Oui, c'est bon, il est passé. Ok, mais ça fait un 256 au milieu. Là, il y a trop de monde. Oh, ça s'est bien associé. Heureusement, hein, ça m'a sauvé la vie parce qu'il y en a beaucoup trop là-haut là. Mais c'est bon, ça marche. Ouais, les 256, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble au milieu. Mettez-vous ensemble. Allez, touchez les gars, touchez. Oh là là. Ça veut pas. Ça, si, ça y est, 1024, ok. Ok, ça... Oui, let's go. D'un coup, j'ai eu le 4K. Pouah. La situation s'est trop bien débloquée. Et ensuite, du coup, il faut faire le 8K. Sauf que mon 4K et le 2048... Oh, quoique, j'allais dire, ils sont séparés, mais pas du tout, ça va, en vrai. Maintenant, j'ai plus beaucoup de 8, ça me donne beaucoup de 16 et de 32, donc ça avance plutôt vite, c'est cool. Ok, 512, 1024, 2048. Oh, j'ai deux 4K. Est-ce qu'ils vont se toucher? Touchez-vous, les gars. Touchez-vous, non. Allez, on tire. Ils veulent pas, hein. Oh, quel dommage. Ok, c'est bon, let's go. Ça s'est débloqué comme ça. Bon, maintenant, on est rendu à 16 000. Oh là là, ce bazar. Il n'y a pas beaucoup de place, mais là, le 8K et le 4K sont juste à côté. Donc ça, c'est plutôt pratique. On est actuellement sur le jeu Flag Painters, un runner dans lequel nous allons tenter de conquérir le monde. Et là, vous allez me dire, mais Redkill, comment comptes-tu t'y prendre pour conquérir le monde? Eh bien, figurez-vous, les abonnés, qu'aujourd'hui, nous allons peindre sur un grand tissu blanc comme ça, en commençant par la Pologne. L'avantage avec la Pologne, c'est qu'il n'y a que deux couleurs. Donc, on va devoir peindre seulement la partie de droite. Et il faudra évidemment prendre la bonne couleur, mais aussi mettre la peinture du bon côté. Donc
Là, c'est parti pour le niveau 1. Regardez, le rouleau est juste là. On va essayer de le mettre à 50-50. Oh, j'y ai fait un petit peu plus à droite. Il y a un peu plus de rouge que de blanc, mais bon, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et hop, on a une petite longueur, hein, c'est pas ouf. Mais bien évidemment, au fur et à mesure des niveaux, on pourra aller beaucoup plus bas. Oh, ils m'ont mis 100% alors que c'était pas tout à fait bon. Hein. Niveau 2 maintenant, et ça sera le drapeau du Japon. Ah mince, par contre, mon tissu est devenu bleu. Ils auraient pu le laisser blanc tant qu'à faire. Ça m'aurait fait économiser un petit peu de peinture blanche. On va y... Oh non, j'aurais dû en mettre à gauche et ensuite à droite. Là, on a fait le milieu du coup. Mais c'est bon, regardez, il y a un autre rouleau blanc juste après. Bref, vous avez compris le principe du jeu. Il est super sympa. Et là, cette fois-ci, est-ce qu'on met le drapeau américain? Non, le drapeau japonais, bien évidemment. Et là, il est parfait, le drapeau. Let's go! Waouh! 100%? Oui, mettez-moi 100%! Parfait! Niveau 3 maintenant, et je sais pas ce qu'ils ont mis, ils ont rajouté des drapeaux comme ça. Je sais pas ce que ça va être, et il faut qu'on fasse le drapeau du Vietnam. Évidemment! Let's go pour le drapeau du Vietnam! Alors attendez, il y a deux rouleaux là, il faut faire quoi? Je vais prendre celui-là. C'est quoi ces drapeaux là? What? Oh, ça me donne de la longueur! On est vachement long, c'est un truc de fou! Ok, ok, on va le rendre tout rouge maintenant. Oh là là, il y a toute la longueur à refaire. On va prendre la petite étoile et on va éviter de se faire découper par ces. Ah! Participer. Non, il y a plus de rouge les amis. On est en déj de rouge. Non. Comment on va faire là? Bon, c'est pas grave, il y aura une partie blanche, mais bon, au moins on a une longueur extrêmement longue. Hein. C'est parti, hey, vous êtes parti vous deux là. Waouh, regardez, non, j'ai fail cette partie là. Il faut faire à peu près au moins 80% je crois pour avoir un réussi. On est quand même passé au niveau suivant et maintenant on doit faire le drapeau du Canada. Ah, ok, il y a un problème. On a un problème. Ok, on a plus de drapeau, mais c'est pas grave. Donc, le drapeau du Canada, il est... Oh, il est complexe celui-là, hein, parce qu'en fait, il faut garder le blanc du milieu. Mais comment je vais faire ça? Comment? Hop là, moi je veux pas de bleu. Non, non, il y a pas de bleu, il y a pas de vert non plus, je ne crois pas. Pas sur le drapeau du Canada. Oh ouais, c'est ça qu'on va faire. On va mettre tout en fait en rouge et à mon avis avec l'impression ça va mettre du blanc au milieu. Waouh! Oh attention, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Waouh, mais c'est trop stylé, je l'ai trop bien fait, mais il y a juste une partie qui est pas faite encore. Laissez-moi finir, j'ai pas le temps de finir à chaque fois. OK, c'est pas grave. On est déjà à 100% partout, c'est nickel. Bon, ils sont quand même gentils sur les notations hein. Le drapeau des États-Unis, sauf que celui-ci, regardez, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. On a déjà les petites bandes et est-ce qu'on prend le bleu là? Oh, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? On a du blanc. Non, oui, on a du blanc. Oui, oui, oui. Non, j'aurais dû le prendre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais ça va remplacer le rouge du coup. Mais non, mais je repars à zéro. Bah, c'est pas grave. On met tout en blanc. Là, c'est parfait. Mon tissu est tout blanc et là, on reste bien au milieu comme ça. Waouh, ça y est, les amis. Là, c'est trop géré. C'est le meilleur drapeau que j'ai fait pour l'instant. Et c'est celui des Américains. Vivement qu'on puisse les concurrencer en faisant celui des Français. Let's go! Wow! Ok, celui-là de là-haut, je l'ai fait que 62% malheureusement. J'ai pas eu le temps de le finir. Bon, en tout cas, des Américains qui me regardent, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Par contre, des Canadiens juste avant, je pense qu'il y en avait pas mal. Donc si jamais vous êtes Canadien et que vous me regardez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, on est là pour la bonne cause avec le drapeau des LGBT. Alors par contre, c'est rouge et orange sur la gauche. Oh là, j'ai pas très bien géré le rouge, mais c'est pas grave. Là, on est bien. On est plutôt même très bien. Et on complète comme ça. Waouh! Je trouve que j'ai plutôt bien géré pour le coup. Non, on veut pas de noir. C'est bon. Hop. Ensuite, on rajoute un peu de drapeau. Et ben, je vais même pas remettre de la couleur. Hein. Non, non. Ah ouais, mythe, je peux refaire un peu le rouge. Je vais tenter. Je vais tenter. Waouh! Ah, mais si, il fallait le refaire puisque j'ai rajouté un peu de drapeau. Je suis bête, moi. Hop là, c'est bon, ça passe. Oh! J'ai trop géré. Là, il faut encore être parfait. Oh non! J'ai enlevé un petit peu de bande verte. Et là, on ramasse directement des bons drapeaux, donc ils sont de la bonne couleur. Et c'est parfait. On a un magnifique drapeau arc-en-ciel. Let's go! Alors là, par contre, je crois que j'ai battu mon record de taille, hein, parce que, waouh, elles ont disparu, les deux filles. Niveau 6 maintenant, et... Non, j'allais dire que c'était le drapeau des Français. C'est pas grave, c'est le drapeau des Allemands, et qui est très stylé. Par contre, il y a trois couleurs, hein, bon, comme les Français d'ailleurs, mais le français, à la limite, il y a le blanc qui est déjà fait, donc c'est ça qui est bien. Waouh! Mince, j'ai laissé une trace blanche. Non, je me suis fait découper. Alors, on va faire le noir sur la gauche, le jaune sur la droite. On va ramasser directement. Oh, mais c'est pas mal, hein. C'est dommage que j'ai cette sale rainure blanche là au plein milieu. Mais bon, oh non, il n'y a pas moyen de rattraper en plus. Quel dommage. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Hein. Voilà, vous avez qu'à changer votre drapeau. Mettez un truc blanc, c'est moi qui l'ai décidé. Je suis chancelier de l'Allemagne.
Allez hop, c'est bon, on confirme ça, c'est parfait. Ok, le drapeau de la Turquie, il est très simple, il suffit juste de mettre notre tissu tout en rouge surtout, et ensuite il faudra faire le signe en... Alors attendez, en blanc au fond là-bas. Oui, il est là-bas, c'est parfait. Oh, non, j'aurais pas dû le mettre au milieu. J'ai fait le débile, c'est pas grave, je vais pouvoir me rattraper. Là, on met tout à droite, parfait. Là, on met tout à gauche, tout est nickel. On rajoute un peu de rouge au cas où, mais je crois que c'est bon. Hein. Je crois qu'on en a assez là. Il est déjà assez rouge, mais c'est bon, il n'y a plus qu'à rajouter les deux symboles en deux fois. Par contre, bien au milieu. Hop là, et l'étoile, j'espère qu'elle se met bien. Oui, elle se met bien, c'est parfait. Non, pas de violet, c'est pas bon. Hop là. C'est bon. Là, j'en ai fait trois, je crois que j'ai fait les trois à 100%, franchement. C'est imperfect. Regardez, 100% partout. Yes. Ah, on tourne autour de la France, mais on l'a toujours pas. On est sur le drapeau de l'Espagne maintenant. Il va y avoir que du rouge à rajouter sur les côtés parce qu'on a déjà un tissu tout jaune. Donc ça, c'est nickel. On rajoute de la taille. On va laisser... Ah oui, non, il faut mettre le jaune maintenant parce que là, on a rajouté de la taille. Alors hop, le jaune, bien comme il faut, bien au milieu. Hop, parfait, bien au milieu encore. Oh là 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 là, c'est parfait. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à bien se positionner par rapport au petit truc rouge comme ça, bien centré. C'est pas mal, attention là, c'est bon. On rajoute maintenant le symbole et on est bien les amis, on est hyper bien là. J'ai fait combien de longueurs là? J'en ai fait 4 ou 5, non? 4. 4. Ah non, 5 même, j'en ai commencé une qui est à 12%. On fait maintenant le drapeau de la Russie en commençant par celui de l'Allemagne. Alors, on va laisser, hop là, le bleu au milieu comme ça. Le blanc, il est à gauche, nickel. Et le rouge, oh. Mais là, on est parfait, les amis. On commence super bien. En plus, on peut directement ramasser des bouts de drapeau qui sont directement de la bonne couleur. Donc ça, ça fait plaisir. Allez, donc, on termine ça comme il faut. Le drop. Les Russes doivent être fiers de moi. On est maintenant sur l'Ukraine. Toujours pas le drapeau français. Mais c'est pas grave. Ça viendra. On va se mettre en orange. Pourquoi orange? Je ne sais pas. C'est juste pour ajouter un petit peu de longueur. Attention à ça. Hop. Alors maintenant, on va mettre le jaune sur la droite. Hein. On fait le drapeau Ikea, là. Hop, attention. Wadalala. J'ai dit Ikea pour les couleurs, hein, pas pour le pays, bien sûr. Hein. Sinon, ça serait la Suède. Alors, attention, on se met bien au centre. Oh, le bleu a été posé parfaitement. Le jaune aussi, c'est parfait. On finit bien. Le niveau 10 est confirmé. Wouh. Oh, j'ai fait une bonne longueur, là. On a maintenant la Grèce. Oula, par contre, c'est compliqué, la Grèce. Hein. C'est pas tout simple. Alors, on va mettre... Oh, là. On rajoute un petit peu de drapeau. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on met tout en blanc et ensuite, on fera les traces? Ah non, il faut tout mettre en bleu parce qu'après, c'est les traces blanches qu'on met. Donc, c'est parfait. On est bien. On met les traces à peu près au milieu. Parfait. À gauche. Voilà. Oh. On s'en est bien tiré, puisqu'on fait un parfait, je crois. Si on ne se fait pas découper. Non, je me suis fait découper. J'ai deux drapeaux, quoi. Drapeau de la Thaïlande, maintenant. Et, bah, alors, celui-là, il est pas tout simple. Heureusement, ils me l'ont fait tout seul directement, là. On va mettre du bleu à peu près au centre. Et ensuite, il faut mettre le rouge sur le côté. Le bleu, on peut le remettre à peu près au centre, comme ça. Les deux rouges sur les côtés. Parfait. Ça, on a géré. Les deux blancs à peu près au milieu. Ok. Bah, c'est bon. Wow. Je croyais être super mal parti, mais en fait, c'est bon. On a notre drapeau de la Thaïlande, ou celui de Captain America. Drapeau de l'Albanie, maintenant. Et là, il est très simple, puisqu'il faut tout mettre en rouge et avoir le petit symbole, sûrement, à la fin. Donc, c'est bon. Par contre, on a une longueur de drapeau absolument dantesque. Mais on va se faire découper. C'est pas grave. On met un petit peu de rouge. Oh, par contre, il faut gérer le rouge, hein, parce que là... Oh, non, j'ai laissé une petite trace au milieu. C'est pas grave. À gauche. Oh, j'ai laissé une trace toute à gauche. Oh là là, je fais n'importe quoi. C'est bon. Ok, on aura juste une petite trace à droite, mais c'est pas grave. Hop là, à gauche, pardon. Bon, bah, tant pis, j'espère qu'ils verront pas. Ils mettront quand même 100%. Allez, c'est parti. Wouhou. Ah, c'est pas si long finalement. On commence maintenant avec le drapeau de l'Argentine et ils ont laissé celui du Brésil. Ah, ils sont pas très copains ceux-là, hein. Il faudrait pas les laisser comme ça. Hop, on remet un petit peu à droite comme ça, à gauche, parfait, nickel. Bon, c'est pas égal, mais bon, on va dire que c'est ok. Hein. Alors, on rajoute le petit symbole du soleil ici. Hop, on a une toute petite longueur par contre. Mais c'est bon, il y a tout ce qu'il faut ici. On rajoute un peu de bleu sur la droite, voilà. Là, on est bien. Par contre, là, je pouvais pas mettre sur la gauche, hein. Oh non, j'ai tout effacé. C'est pas grave, on peut tout refaire, les amis, regardez. J'ai plus qu'à me mettre au milieu. Oh là, heureusement qu'ils ont mis du blanc à la fin. Oh, parfait. On finit hyper bien, là. Et peut-être hyper long, hein, je sais pas. Attention, on va voir combien de drapeaux j'ai fait. Allez, mon record, c'est 5. Oh, 5. Alors là, on est sur le drapeau de l'Azerbaïdjan. Il faut mettre un peu de bleu, là, de bleu de vert. Oh. Non, j'ai raté mon verre. Je suis dégoûté. Oh là là, surtout que la fin est juste là. Mais il y a tellement de gemmes. Il faut tout prendre.
Bang, parfait. Attention à la scie. Et je crois qu'on a une longueur record, hein, si on se fait pas découper là. Waouh, waouh, j'ai battu mon record. Oh, j'ai tout fail par contre, hein. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, là il est mieux. On a maintenant le drapeau du Chili. On va mettre du rouge sur la gauche. Ça c'était bon, sur la droite, pardon. Oh là là, je confonds ma droite et ma gauche. TikTok, quoi TikTok? What the fuck? Non, je mettrai pas TikTok dans mon drapeau. Ils sont pas sponsorisés TikTok. Ils ont une petite étoile blanche et c'est déjà très bien. Ok, on est rendu au niveau 21 maintenant. Et j'espère avoir la France, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Ils ont mis l'Union Européenne, mais toujours pas la France. C'est un scandale. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre ça comme il faut. Oh là, on est en train de faire celui de Ikea, là. Oh, attention à ça. Oh, bah, il est hyper simple. Regardez, on a déjà fini. Il y a juste à mettre les petites étoiles et c'est parfait. Il y a combien d'étoiles déjà? Je sais plus. Et c'est bon. Wow. Voilà les amis, on vient de terminer le niveau 28. Et si jamais il n'y a pas la France avant le niveau 30, on va ouvrir une pétition. C'est pas normal. L'Angleterre, ah, mettez-nous la France, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va tâcher de faire ça bien. On va tout mettre en bleu, si je fais pas n'importe quoi. Hop là, parfait. On va faire, oulala, ok, il va falloir inverser. Il va falloir faire les deux comme ça, nickel. Et ensuite, la grande bande rouge, parfait. Et maintenant, je ne laisse qu'une seule chance au jeu. Un seul niveau, il y a intérêt à avoir la France. Attention, niveau 30, et le Brésil, j'en ai marre. On vous a battu en Coupe du Monde en 98. Mettez la France! Bon bah les Français, révoltez-vous dans les commentaires. Nous allons nous plaindre de ce jeu là. C'est pas normal, on est l'une des plus grandes puissances du monde. Eh bien figurez-vous les abos que ce gars là cache bien son jeu. Il suffit de lui cliquer dessus pour qu'il nous montre toute sa puissance. Bam. Oh, relève-toi mec. Oh, il a pas l'air d'être bien. Allez, relève-toi, on a besoin de toi, il y a un monstre juste devant. Bon écoutez les amis, ce gars là il a besoin de plus de soutien. Vous allez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner afin de le faire remonter un petit peu et qui retrouve toute sa splendeur. Voilà, on a eu la clé, on a découvert le monstre, le diable en personne. Et bah maintenant on n'a plus qu'à atteindre la petite ligne d'arrivée. Alors on peut y aller comme ça en petit couteau. Oh, oh, j'ai fait un mini couteau. Et maintenant qu'on est juste devant la ligne d'arrivée, on va faire le plus grand possible, on va se lâcher. Et on a le 1000, pas mal. Ah, comme quoi ça servait à rien d'aller le plus loin possible. 1000 c'était nickel. Bon bah super, niveau 1 terminé. Maintenant on va pouvoir découvrir les prochains obstacles ensemble. On pourra dépenser de la thune afin de le customiser un petit peu, ce pauvre type. Mais je crois que j'ai pas assez de thunes les amis. Donc allons farmer ça tranquillement. On va détruire ce 2, oh mais c'est hyper satisfaisant. Oh, oh. C'est quoi ensuite? C'est des marches qu'il faut monter? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Wow, j'en ai raté un petit peu. What? Mais attendez, il faut monter hyper haut, là. Ne serait-ce pas des sushis qu'on va pouvoir découper? C'est ça. On a eu les 3 étoiles, c'est parfait, on se met juste devant la ligne d'arrivée et on vise le plein 1000 comme ça. Niveau complété, ça y est, on va pouvoir avoir assez de thunes pour s'acheter quelque chose. J'aimerais tellement changer de couteau déjà, mais je sais pas comment on va faire. Tout ce que je sais, c'est que je peux juste acheter une tête pour l'instant. Allez, on a de la chance, j'espère, avec un nouveau truc. Wow. Ok, on a pris le même mec, on lui a rajouté une petite cigarette en chocolat dans la bouche. Une petite moustache. Eh bien vivement qu'on ait un peu plus de thunes, parce que là, ce skin, je l'aime pas du tout. Donc on va prendre une petite clé là. Oh, attendez, qu'est-ce que c'était ce truc? Wow, c'était une fille qui faisait du yoga. Wow, je me suis fait défoncer par les barrières. Et maintenant la grande roue, il faut complètement la découper. Est-ce qu'on aura tout? On a tout. On a eu les 3 étoiles, ça c'est parfait. Et cette fois-ci, regardez, il faut viser le orange. Oh, j'étais trop loin, non. Dommage. Du coup, on a eu 3 clés, on va pouvoir sûrement ouvrir un petit coffre qui va nous permettre, j'espère, d'avoir un nouveau skin, parce que là ça va pas du tout les amis, je déteste mon skin actuel. Yes, on a eu un petit costard blanc. Wow. Là, il a la classe. Non, il faut qu'on change sa tête le plus rapidement possible. Alors, est-ce que notre couteau a changé? Ah non, il n'a pas changé encore. Dommage. What, tu fais quoi là? J'ai fait un salto. Oh, mais c'était parfait en vrai. Let's go. Donc, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a une cage avec un verrou qu'on va déverrouiller maintenant. On a débloqué quelqu'un, c'est un petit chat. Et allez, maintenant, il faut battre notre corps. C'est parti. Oh, oh, c'était un coup du marteau. 500, on a eu, les amis. Oh, même beaucoup plus, en fait. Ça manquait vachement haut. Bon, on a fait le maximum, je pense. Bon, j'ai assez maintenant pour changer de chapeau. On va faire ça tout de suite. On ressemblera plus à un mafieux, enfin. C'est John Wick. On a débloqué John Wick, les amis. Ah, très belle chevelure. Alors, montre-moi si tu peux détruire ce 5. Parfait. Le plat de sushi. Oh, le roi des ponces, les amis. Et attention, on va lancer un feu d'artifice. C'est parti. Et parti où? Waouh, on a rien vu. Oh non, j'ai dépassé. Non, non, je vais dépasser. Non, je suis deg. What? C'est quoi ça? Je vais faire un rebond. Je vais faire... Wow.
Waouh, 350, c'est pas ouf, mais c'était sympa quand même. Allez, plus que deux niveaux afin qu'on puisse passer dans l'espace. Alors c'est parti, on se fait le niveau 6. Oh, les sabres, ils sont trop stylés. Bam, mais moi, mon couteau est beaucoup plus puissant. What? Waouh, comment c'est passé? C'était trop stylé. Allez, c'est parti, maintenant, il y a la roue de la chance. Alors là, par contre, il va falloir trop bien viser. Il faut le 1000, il faut le 1000. Hop, c'est parti. Non, juste à côté, je suis dégoûté. Allez, dernier niveau, je crois que c'est un niveau bonus. Celui-là, on va pouvoir se faire un maximum de gemmes, je l'espère. Venez avec moi, bande de petites gemmes. Et, ouah, elles sont vachement hauts, là. Je les aurai pas toutes, tant pis. Attention, ça va casser. Oh non, j'ai trop tiré, j'ai tout raté, dommage. Attention, là, le X, il faut tout prendre. Le X, on a tout pris. Oh, ok, il faut être synchro. Voilà. Oh, je l'ai payé beaucoup. On récupère tout ça. Je sais pas si ça va faire beaucoup de gemmes au final, mais bon. Mais bon, il y a une gemme gigantesque à la fin, et attention, c'est parti. On l'a fait, on a de la chance. Descends, ouais, t'es parti, mon frère. Oh, dans le jeune, c'est bien le jeune ou pas? Je sais pas. Oh, c'est un multiplicateur. Plus 5655. On n'a jamais gagné autant, les amis. Ça y est, on est donc dans l'espace, et on a maintenant une mission. On doit buter les méchants. Les méchants. Mais juste avant, on va se changer. Non, parce que j'en ai ras le bol de cette tête dégueulasse. Donc c'est parti, on va acheter un truc. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un gars stylé. Oh, il est très classe, celui-là. On ressemble de plus en plus à John Wick. Allez, donc on va se faire le premier niveau dans l'espace, comme ça, avec un petit chaudron, comme ça, qu'on vient de défoncer. Oh, les ennemis, tuez-les. Parfait, ça. Est-ce que j'ai terminé la mission parce que j'en ai tué 3? Oh, c'est quoi, ça? C'est une soucoupe volante. Je te l'écoute. Oh, les paniers de basket. Comment on va gérer ça? Allez, c'est parti. Au hasard. Ah, c'est pas fini. Oh, c'est quoi, ça? C'est une tête de mort. Ah non, c'est un alien. Ah ouais, il va falloir se faire propulser. Donc là, il faut aller... Oh non, j'ai été trop loin. Oh, je suis dégoûté. Oh, 400. C'est pas si mal, finalement. Bon, plus que deux niveaux, on va pouvoir débloquer un coffre, apparemment. Je sais pas si ça va pas me faire changer mon couteau, ça. J'aimerais bien un couteau de hacker, moi. Oh, c'était trop stylé. Et là, la Terre, on l'a détruit. Parfait. Hop, le satellite, on le défonce. Ah non, c'était la station internationale qu'on vient de péter. Et le 1000, parfait. On peut dire qu'on est en plein dans le 1000. Oh, regardez, le premier astronaute sur la Lune. On va le découvrir et c'est bon. Il avait un petit panneau Hello World. Oh, on va monter, là, comment ça va se passer? Waouh, relâchez-moi. Waouh, je suis vachement haut, là. Ok, c'est parti. Oh, on va encore débloquer quelqu'un. Qui sait que ça va être? Attention, c'est bon. Fallait pas le débloquer, vite, on se barre. Hop là, boum. Ça y est, on débloque donc le coffre gratuit. Ça y est, on a un nouveau skin. Oh. Je vous le dis, tout ce qu'on a, c'est en direction de John Wick. Allez, niveau 11 maintenant, avec notre nouveau skin, et on va s'attaquer à la fusée. Bam, en plein dedans. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le câble. Hop, l'enclume sur eux. Parfait, attention à ça. Aïe, ça va. Wouhou. La petite étoile, on l'a détruit. Et attention, non. Il faut faire un bon rebond. Non, très mauvais. Oh, les amis, il y a un drone de ouf, là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi, ça? On va pouvoir changer notre couteau, enfin. Waouh. Par contre, il coûte super cher. Je vais être obligé de regarder une pub pour avoir celui-là. Waouh, ça y est, je l'ai équipé. Allez, on va aller tester ça directement au niveau suivant. Ah, j'ai même peut-être assez pour m'acheter quelque chose. Ouh, mais j'avais oublié un petit coffre. Oh, on peut avoir un viking. Attention, au hasard, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Non. Allez, il est temps de changer de tête. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas changé. Et nous voici avec un petit chapeau blanc. C'est que des skins de mafieux sur ce jeu, hein. Allez, donc, notre nouveau couteau est prêt. Il est trop classe. Waouh, le télescope géant, il est mort. Et là, bam, la bombe de gaz. Et attention, on va délivrer quelqu'un d'autre. Et c'est qui? Oh, pas lui encore. Waouh, c'est trop stylé, la roue de la fin. Attention. Le mille. Oh, dommage. Ah si, j'ai eu une mille parce que j'ai touché le centre. Et donc, on est de retour sur un niveau bonus. On va se gaver en espérant avoir le meilleur multiplicateur par la suite. Hop là. Waouh, 7, on a gagné au casino, les amis. Maintenant, on va lancer les dés. C'est parti. Voilà. Attention, ils vont me tomber dessus, on se barre. Hop là. What? Faut monter dessus. Oh, non, retombe dans l'autre côté, il y a plein de gemmes. Ah, vas-y, retombe. Parfait, voilà. Allez, on peut avancer maintenant. Allez donc, maintenant il faut un multiplicateur de folie, celui du milieu peut-être. Attention. Oh, non, fois 0, j'ai tout perdu. J'ai absolument rien gagné, du coup. Je suis tellement dégoûté. Allez, je débloque donc un nouveau chapeau. Ça y est, les amis, je suis un vrai russe. Donc là, on a un nouveau biome avec de nouveaux objets, du coup. Wouah, l'épi de maïs.
La montgolfière, on la déploie, et ça c'est quoi? Oh, une magnifique petite fleur. Attention, non, j'ai raté mon saut. Non, j'ai fait le pire. Un petit pommier, montre-moi toutes tes pommes, waouh. Ça y est, on est de retour à une nouvelle boutique. On va pouvoir donc débloquer un nouveau couteau éventuellement. J'ai une chance sur trois d'avoir le trident de fou. Allez, je prends celui du milieu, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Non! C'est pas grave, je vais les ouvrir avec une pub. Ah bah non, toujours pas, hein. Oh non, je peux pas ouvrir l'autre. Je peux pas l'ouvrir. Mais c'est pas grave car j'ai un coffre qui va pouvoir me permettre d'avoir le viking, attention. Allez, changeons de costume maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus classe. Prêt à faire la guerre. Oh, attention le mur. Faut passer tout doucement là. Hop, faire des petits trucs, tac, comme ça. Hop, et maintenant fais justement pour monter vachement haut. Oh, c'est bon, ça passe. Oh, attention à la porte qui se referme. Vas-y, découpe-moi, s'il te plaît, merci. La cerise, et maintenant on va retenter un petit coup de basket. Alors c'est parti, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Oh non, dommage. Presque. Et eh bien ça y est, je l'ai enfin eu ce viking. Waouh, quelle classe. Niveau 22 maintenant, et ça y est, on a maintenant accès à la muraille de Chine. Incroyable. Bon, on va appeler l'ascenseur apparemment. Viens là. Hop là, merci. Il va remonter ou pas? Non, non, il remonte pas, c'est juste une passerelle. Mais attention, j'ai pas eu la clé. C'est bon, je l'ai eu. Un nouveau jeu dans lequel nous allons devoir devenir le plus grand blob du monde. Et pour cela, les amis, il va falloir ramasser toutes ces gouttes au sol afin de devenir énormissime et terrasser Victor qui est juste là. Grâce à l'argent récolté, on pourra améliorer les compétences de notre blob. Comme sa vitesse, par exemple. C'est parti. Nous sommes donc aujourd'hui sur le jeu Blob Buster et je sais que vous, sur la chaîne, vous adorez quand je fais des jeux avec des blobs, alors ça va être trop génial. C'est parti pour terrasser Victor, justement. Alors, on va grandir un petit peu. On passe à 2 comme ça. 3, oh, apparemment on a 35 secondes. Hein. Mais attendez, il y a tellement de gouttes partout. Je vais pouvoir être énormissime, mais je crois que lui il a que 9 de puissance, donc on peut déjà... Oh, regardez, la plante elle me victimise, elle me sépare en deux. Mais c'est pas grave, on va devenir de plus en plus grand. Là, je peux déjà l'allumer, mais moi, je vais tout ramasser sur la map. Je veux devenir le plus grand possible. Oh, c'est tellement satisfaisant. Allez, hop, il reste quelques gouttes. Il nous reste 10 secondes pour le terrasser. Et est-ce que quand on va le manger, on va grandir aussi? Il nous reste 6 secondes. Vite, vite, vite. 5 secondes. Vite, vite, il faut se dépêcher. Faites. Ah, c'est plus Victor, c'est Larry. Larry. Oh non, quoi, time out? Non, justement, j'ai réussi. J'ai fini premier. Wow. C'est quoi ta boîte? 465$, c'est énorme. Donc, du coup, on va pouvoir améliorer la blob size. Il pourrait être un petit peu plus grand. Ah non, quand on commence le jeu, il aura déjà 2 de taille. Et un magnet, un petit aimant un peu plus puissant pour choper les petits blobs au sol. Alors, c'est parti pour la deuxième game. Et ça va être de plus en... Oh, mais attendez, il y a des couleurs différentes. What? Mais il y a plein de monde. C'est quoi ce délire? Mais attendez, normalement j'étais censé être en 1 contre 1, là ils m'ont mis 200 000 personnes sur la map, c'est n'importe quoi. Bon, moi j'ai gagné un petit peu d'argent et c'est reparti. Il faut qu'on gagne cette partie, surtout on va fuir tout le monde. Oh, regardez, moi je suis déjà à 12 là, on est bien, on commence bien. 17, oh il y en a un qui est déjà à 33 là-haut. 24, 28, waouh, ça va être chaud. Le 21, viens là toi, viens là. Oh, il est venu tout seul. On l'a eu, let's go, allez on continue. On va tenter de devenir le blob le plus puissant du monde. Alors pour cela, il va falloir ramasser pas mal de choses parce qu'il y en a un qui est déjà à 79. Oh. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille les manger à droite là-bas, les amis? Je pense que c'est la solution. Oh, le petit 18 qui s'approche de moi. Ha. Oh, le... What? On l'a mangé, il était énormissime, lui. Allez, on va continuer. Il nous reste pas mal de trucs au sol. Là, c'est pas mal. Pour l'instant, on est premier, ça c'est cool. Ah oui, il y a le score en haut à droite et je suis tranquille, regardez. Je peux manger un petit truc ici dans ce petit village. Oh, 200 de puissance. Là, on va gagner tellement d'argent. Notre blob, on va pouvoir l'améliorer. Il va être trop, trop fort. Alors, attendez, il nous reste 40 secondes. Donc, normalement, ça devrait le faire. Personne ne va me rattraper. Mais ça serait peut-être le moment d'aller les manger, les amis. Je suis à 4 kills. Oh, attendez, c'est un piège, ça, ou pas? Ce cactus, c'est un piège ou pas? Non, c'est bon. Ça m'a pas fait mal, heureusement. Oh, salut, Roméo. Alors, comme ça, t'as perdu Juliette? Yatta, j'arrive, mon pote. À défaut de faire des blagues toutes pourries, je suis bon avec mon blob. Allez go, donc la suite, ça serait trop bien de choper celui qui a 142 là. Il y en a un qui a plus de 200, il va peut-être nous rattraper. Oula, par contre, je vais pas passer là. Je vais pas passer. Aïe, aïe. Oh, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe en fait, tranquille. Plus de 3 secondes et normalement, on a gagné. Attention, let's go, time out. On est premier et là, les amis, on a dû se faire un paquet d'argent. Et dans 3 niveaux, on aura l'autre, enfin plutôt dans 2 niveaux maintenant, on aura une, on sera dans la ville. On va terrasser la ville. Alors attendez, on va augmenter plein de trucs là. Notre vitesse. Les amis, on va mettre la vitesse à fond. Je pense que c'est le plus intéressant pour rattraper les autres. Alors go, vitesse, vitesse, vitesse. Oh, on va
pas être tellement rapide, ça va être n'importe quoi. C'est parti, c'est parti. Alors, ah ouais, oh, on est beaucoup plus rapide maintenant. Viens là, toi, viens là, Chewbacca. Yes, on l'a eu, hop, donne-moi ça. Oh, Ponchik, je te mange aussi. Oh, mais on est trop bien. Barbara, je te mange. Oh, la vitesse, les amis, c'est vraiment le plus important sur ce jeu. Oh, pauvre petit Alex, oh, petit sandwich contre toi. Oh, yes, on a pété Lady. On l'a mangé. Big Mac. Salut Big Mac. Est-ce que t'as le goût du Big Mac? On va voir ça. On va voir ça. Bon. Je suis pas sûr. C'est un petit peu répugnant. C'est un peu mou. C'est bizarre en bouche. On dirait du jelly. Bon, par contre, plus on est gros, moins on est rapide. Hein. Ou alors c'est une impression vu que ça doit dézoomer. Je sais pas trop. Hein. Oh. Y a Ayam qui a 74. Il faut le trouver. Oh, il est bloqué. Oh, il est bloqué, il s'appelle Secret. C'est quoi, t'es un secret, mon pote? Comment ça se passe? Est-ce que je peux te manger? Est-ce que je peux te choper? Oui. Oh, ben voilà, attendez, ah, je voulais lui laisser un petit truc, mais je lui ai enlevé, en fait. Allez, attention, Victor, on revient vers toi, et on a encore eu Victor. Bon, je vais retourner à droite, il y a quand même beaucoup plus de monde, qui est beaucoup plus intéressant. J'arrive, les amis. Oh, 332, je crois que c'est notre corps, attention. Oh, on va prendre plus 102, wow, c'est énorme, et on va prendre... Oh, Your Dad, c'est mon père, il s'appelle Your Dad. Salut, papa. Papa, papa, regarde, je suis plus gros que toi. Je vais te choper, papa. Ne fuis pas. Oh, normalement, c'est l'inverse, là. On va le choper. Attends-moi, papa. Papa, tu m'avais dit que tu m'emmènerais au parc d'attractions, mais là... Oh là là, il est en train de nous troll, le père, il fait le tour. Oh, il est bloqué. Vite, on y va. Il va se bloquer dans l'arbre. Oh non, mais il est trop malin, notre père, aussi. Il reste plus que 6 secondes, malheureusement, on n'aura pas le temps de le manger, notre père. C'est dommage. Attendez, on va essayer de monter à 451. Waouh. Donnez-moi de la moula! Let's go! Alors là, il va rester un niveau avant de débloquer le prochain biome. Wow, 2270, c'est énormissime. La speed encore, les amis. Blob size, speed. Non, go speed. Go speed à fond! On a dit c'est le meilleur. Alors attendez, il me reste un peu d'argent, on va mettre blob size et voilà. On commence maintenant à 4, ce qui est pas mal. Je crois qu'on commence à 4, c'est ça? 4? 4? 4 ou pas? Oui, c'est 4, ok. Oh, mais il y en a, ils sont déjà à 11. What? 16, oula, on va éviter de le prendre. Il y en a qui sont pas rapides du tout. Hein. Vous avez vu comment la vitesse, ça fait la différence? Bon, par contre, faut les choper à un moment. Oh, ils sont tous à beaucoup plus que moi, les amis. Ouah, ce niveau est beaucoup plus compliqué. On va essayer de manger tranquillement de notre côté. Pour l'instant, on va pas pouvoir se battre. Hein. Si 35, on peut manger celui qui est à gauche, là, mais waouh. Ils sont tellement chauds, c'est... C'est trop dur. Petit. Oh, le 13. Vite, viens, viens, viens. Non, Nico, il va me manger. What, il y en a un qui est à 3 fois plus que moi, là. Oh là 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 là, c'est la crise, les amis. Je sais pas comment on va faire. Déjà, on va essayer de survivre. Mais c'est le premier niveau qui est difficile, franchement, là. Oh, il y en a deux, là. Il y a le 35 et le 10 en bas. Mais le 35, il va super vite. Il est là. Non, c'est qu'il était proche. Ah, viens là. Yes. On passe combien? On est deuxième du serveur, les amis. Il y a Paul et Dima à aller manger. Paul, il a 128. Ah non, je peux pas le manger encore. 13. Il faut aller chercher le 13 en bas. Il a l'air d'être bloqué. Il ne bouge pas depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Allez, go. J'arrive, mon pote. Je vais te manger. Mais il est où? Il me fait perdre du temps. Warrior, qu'est-ce que tu fais tout en bas de la map? Viens là. Tu serviras plus à mon intérieur, comme ça. Wow, il y a Paul. Il est trop fort. Il est encore devant. Oui! Feralberry, viens là, yeah, yes, let's go. Bon bah là les amis, on est passé premier du serveur, il reste 30 secondes, donc c'est plutôt bien. Il faut absolument que je reste premier. Ou alors, il faudrait que j'aille manger le premier, le deuxième plutôt. Il est où Paul? Paul, t'es où? Il est tout là-haut, ok. Oh, il y en a un, il a un, ça vaut même pas le coup de le manger. Va-t'en, ne reste pas sur mon chemin. Tu vas me servir à rien que je te mange, et là, et tu veux pas être mangé, donc va-t'en. Il faut absolument que je le chope, s'il vous plaît, pour plus d'argent. Il a l'air d'être bloqué. Oh, il y a Shooter qui a rejoint la game. Viens là. Ok, 4. Oh, 8 secondes, j'espère pouvoir aller le manger. Ça me fera gagner beaucoup plus d'argent. Allez, redescends. Paul, le poulpe. On va te manger. Oui. On l'a eu juste sur le gong, il reste un tout petit peu, mais franchement, on l'a bien amoché. Alors, combien d'argent, là? 1975, c'est pas mal. Et on débloque maintenant la ville. Let's go. Pour créer les spirales, on a le tout premier objet du jeu qui est un burin comme ça. C'est sûrement l'objet le plus pourri puisqu'ensuite on pourra avoir des katanas, des scies, etc. Bref, on commence le jeu. C'est parti avec le niveau 1 qui est, voilà, très simple. Il n'y a pas d'obstacle. C'est juste pour nous montrer comment on joue. On lance notre spirale. Hop, là on gratte un petit peu histoire d'avoir plus de points. Et j'ai fait un mauvais rebond et...
50, c'est pas trop mal, ok. Dommage, j'aurais pas le jackpot. Mais ça ne fait aucun doute, je l'aurai à un moment ou à un autre. Allez, c'est parti. On part maintenant au niveau 2 et peut-être que cette fois-ci, on aura des obstacles. Donc ça va être très important, voilà, de faire des grandes spirales x3, x4, x5. Ah non, ok, niveau 2, il n'y a toujours pas d'obstacle. C'est toujours la même chose, très bien. Eh ben, je le lance, hop, je crée mon truc, je le lance. Et attention, est-ce que ça va être bon? Le jackpot. Non, non, si, ça l'a eu. Yes, oui. Alors, je sais pas s'il y avait l'étoile, on pouvait avoir l'étoile en plus, j'en sais rien, mais bref, c'est cool. On est monté quasiment au plus haut. Ok. Allez, niveau 3, cette fois-ci, voilà, il y a des obstacles. Oh là, j'ai pas commencé à faire ma spirale. Donc là, je fais ma spirale. Je lance ma spirale. Ça détruit les obstacles. Je peux donc passer. Si j'avais pas détruit les trucs, j'aurais pas pu passer et j'aurais perdu. Donc là, on fait exactement la même chose. Est-ce que ça va passer? Oui, laissez-moi passer. Non, non. Ah, merde. Bon, on refait. Donc là, je sais pas comment j'aurais pu faire mieux finalement parce que j'avais vraiment fait une spirale assez grande à mon goût. Et je sais pas. Alors là, c'est bon, le premier, ça passe. On va vite continuer. La deuxième. Oh, attention, la spirale va me gêner. Notre spirale. Hop, lance ça. Et c'est bon, je vais passer. Oui, je suis passé. Allez, fais-moi un bon truc là. Fais-moi un bon truc. Pff, ok. 10. Ah là là. Eh ben, c'est pas fou. Hein. On va aller voir dans la boutique. Est-ce qu'il y a moyen de débloquer un petit truc? Oh là là, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a une tronçonneuse, il y a même une clé. On va faire ça à la clé. Non, mais n'importe quoi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va essayer d'aller le plus loin possible et de faire les meilleurs runs possibles. Qu'est-ce que je vais avoir? Le marteau piqueur? Non, même pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est un bout d'épée, juste la moitié. Eh ben, franchement, on va essayer. On va prendre ça. Écoutez, let's go. Je sais pas si ça change grand-chose. Et là, mais qu'est-ce que c'est? C'est un lingot d'or. Boum! On refait. Continue. Et boum! On prend des points en plus. Oh putain! Alors, ça, je crois qu'il ne faut pas toucher les petites plaques en fer comme ça, sinon on meurt instantanément. Et là, on y va. On peut y aller. On peut continuer. Je vous rassure, j'ai pas joué. J'ai juste vu une petite vidéo avant. Et. Oh, c'est bon, je l'ai cassé. Et c'est pour ça que je savais qu'on pouvait pas. Je commence tout juste le jeu avec vous et. Le méga! Yes! Oh, damn. Par contre, il manque une petite loupiote que je n'ai pas allumée. Hein. Not now! Bon, ben, j'imagine que j'ai été quasiment au meilleur. Hein. Allez, on continue. Ça va être de plus en plus dur, mais en tout cas, le jeu a l'air super sympa. Et j'espère que ça sera pas trop répétitif. Bref, on verra ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé là juste avant parce que au final, j'ai pas fait grand chose. Ah non, c'est bon, ça m'a pas gêné. Oh, c'est bon, j'ai terminé. Oh, il y a une scie. Oh putain, faire attention à la scie. Allez, c'est bon. Là, je l'ai bien lancé. Le 50. Ouais, j'ai validé le 50. J'ai pas été jusqu'au bout, mais ça passe. Attendez, j'ai déjà 924 000 pièces d'or. C'est quoi ce hack là? Parce que j'ai pris un truc pour pas avoir les pubs, mais j'ai l'impression d'avoir gavé de thunes en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Une nouvelle lame, parfait. Bah écoutez, je vais refaire un petit coup comme ça. Et je veux la scie. Yes, la scie. Oh non! Ok, j'ai eu un burin amélioré. Bah écoutez, on va le prendre et on va faire le niveau suivant. Alors là, il y a un petit panier à mettre. Oh merde, il fallait faire le 50. Ok, j'avais fait 0. Bah, comme ça au moins. Je sais pas à quoi ça sert l'arbre là. Ah oui, d'accord, il faudrait pas atteindre. D'accord. Trop de hauteur, sinon ça passe pas la branche. Hein. Ok. Allez, on continue, c'est parti. Oh, ma spirale m'a abandonné. Reviens. Oh, c'est bon, j'ai pu gérer le truc. Hop là. Voilà. Pas trop gros. Ah, j'ai pas eu beaucoup de points. Mais c'est pas grave. Allez. Ouais. Yeah. Allez, let's go. Jackpot. Et c'est le jackpot. Mais non. Mais c'est pas possible. Ça m'a fâté. Allez, on continue. C'est parti. Bon, il y a bien un moment, ça va être hyper complexe. Hein. Hop là, hop, on évite le broyeur. On y va. Oh, le panier. Mais non. Putain. Allez, c'est pas grave. On perd pas espoir. On y va. On défonce tout. Oui. Oh non, ça aurait été... Oh là, tout petit. C'est bon, ça a passé. Oh, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? What the fuck? What? C'était quoi? J'ai pas compris. Loser, beginner. Oh, oh, boss, god. Ouais, ça, c'est moi, ça. Hé, hey, on est là. Allez, nouvel objet, on perd pas de temps, 1000 pièces d'or, j'en ai plus d'un million, donc c'est bon. Alors, est-ce qu'il faut que je change de page pour avoir accès aux autres? Un autre burin cette fois-ci, avec des trous comme ça, si je me mets sur cette page... Ah oui, c'est d'autres que je vais débloquer, je veux la pelle, moi. Je veux creuser le bois à la pelle, mon gars. Au sabre laser, c'est pas mal aussi, hein. J'accepte, même si c'est un demi-sabre laser, on y va. Allez, on dépense... Ah oui, d'accord, c'est des pièces d'or directement qu'on prend, là, quand on fait ça. Hop là, deuxième spirale. Alors là, par contre, il y a encore un truc aléatoire. Non, même pas. Oh, c'est bon, c'est passé. Allez, le 50. Oui, c'est validé. Bon, c'est pas rentré, mais c'est validé. Et là, attention. Le max, s'il te plaît. Non, franchement, à chaque fois, on n'est pas trop mal, mais je vais jamais au max, c'est dommage. À niveau suivant. Donc là, c'est le niveau 9, et pour l'instant, ça reste assez simple. Imaginez à un moment où ça sera hyper dur. Hop, je crée ma petite spirale. Je sais pas si elle va aller très loin, mais le plus important, c'est celle qu'on va faire derrière, qui va détruire ce mur. Boum. Wow, par contre, il y a eu un coup d'accélération, là. Tranquille.
Oh, elle est énorme, ça. Oh, par contre, elle passera jamais la branche. Ça passera jamais la branche. Et là, oh là, faut que ça casse. Faut que ça casse. Oh, c'est bon, nickel. Ça a juste créé l'espace qu'il me fallait. Et là, oh non, dommage, j'ai pas eu le 50. Allez, c'est parti. C'est le moment. On veut pas être un loser, on veut être un god. Oui. Yes. Je suis un dieu. Allez, on va essayer de se débloquer un objet de ce côté-là également. Peut-être un peigne, là. Ça a l'air d'être des peignes ou même une règle, je sais pas. Oh, un silex. On va tester ça. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est mieux, les objets, est-ce que ça change finalement ou c'est que le design. Allez, ça passe. Oh, j'ai même pas eu de bonus. Non, dommage. Allez, on continue. On continue. Pour l'instant, les niveaux sont très simples. Hein. C'est ça qui est cool. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être beaucoup plus compliqué tout à l'heure. Là, j'ai géré normalement. Oh non, j'ai pas géré. J'ai pas géré, voilà. Mais c'est surtout que j'ai trop parlé, c'est le karma ça, c'est le karma. Allez, c'est reparti. On veut le panier. Yep, oh, ça passe. Et en plus, la spirale continue, ça c'est une très bonne nouvelle. Yep, ok, c'est bon. Allez, on en fait une deuxième. J'espère que la première va toucher quand même un peu. Mais attendez, c'est pas le même niveau, hein, bizarrement. C'est pas le même niveau. J'avais pas l'impression qu'il y avait les scies, en plus ça a changé un peu. Bon bref, allez, on vise le... Ah non, là c'est raté, je crois. Ouais, ça va, je fais un 30, c'est pas trop mal. Oh, j'ai débloqué donc un nouveau biome, un biome neige. Je crois qu'il y avait déjà de la neige avant, mais c'est pas grave, je sais pas. Ah mais, attendez, j'ai déjà fait ce niveau, non? Non, j'ai pas fait ce niveau. Boum. Allez, c'est parti, on continue. On va essayer de gérer ça. Oh, attention, mur devant, là il faut qu'elle soit assez grosse. On y va, on la lance. Et on a l'air bondi. Elle s'est barrée sans moi. Allez, salut. À la prochaine. Est-ce qu'elle va mettre un panier? Non, même pas. Non. Mais non, elle est continue encore. Ah non, ça y est, elle est tombée. Allez, il faut le gérer. Ouais, ça change de niveau, c'est bizarre. Je croyais que ça allait bien. Oh, un smiley, stylé. Oh là, j'ai failli taper dans le métal. Ça l'aurait pas fait, le petit panier? Non, pas de panier, non. Je sais pas. Ah, il faut qu'on le gère. Ah, là, c'est la même chose que tout à l'heure. Oh non, le rebond encore. Putain, c'est pas possible. Je change d'objet. C'est pas possible de faire avec ça. Je veux la tronçonneuse, moi. La tronçonneuse. Et ça sera la clé. D'accord, on y va à la clé. On va se brûler les doigts, je préviens, mais... Ok, allez, c'est bon. Oh, attention, juste devant. Oh, j'ai failli me faire avoir. Yep, on évite de se faire scier, c'est bon. Yep, petit bonus, peut-être. Petit bonus. Oh non, j'ai tout raté, j'ai même pas touché. 20. Voilà, ça en confirme. Le 5 est validé. Heureusement qu'il y a un trou dans le mur. Pas trop haut. C'est bon, j'ai géré. Let's go, on termine ce niveau. Ah non, c'est pas fini. Et 25, même pas. Ouh, ouais, c'est bon, j'ai eu le mur. Et attention. Le jackpot, les amis. Plus 1 million. Non, pas du tout. Nouvel objet en cours. Et ça sera... une main de femme avec des grands ongles. Ok, pratique. Très pratique. Alors là, les plus sensibles d'entre vous, eh bien, n'aimeront pas le frottement... Oh là, c'est un peu gros, ça. Le frottement des ongles sur le sol, comme ça. Mais bon, allez, hop. Oh non, ça rebondit. Ça rebondit sur mon autre spirale m'a gêné. Allez, c'est pas grave. On recommence. Hop, là, normalement, la scie, on la passe. C'est bon. Hop, il y aura pas de bonus. Mais on détruit le mur. Ah, si, il y a eu un bonus. J'ai pas vu quel smiley c'était. Ça va trop vite pour moi. Je suis concentré sur la suite. Oh non, ça a empêché de faire un panier, putain. En fait, les spirales entre elles, elles se gênent. C'est chiant. Allez, j'ai pas récolté toutes les pièces. Allez, le 10. Le 10, c'est bon, c'est validé. Allez, hop, on prend toutes les pièces. Parfait. Allez, on vise le jackpot. On veut le jackpot. Je sais pas si vraiment il faut avoir le... Oh, c'est très bien ça. C'est très très bien. Parfait. Je sais pas s'il faut que ce soit hyper gros le dernier rouleau là qui permet de monter jusqu'en haut, mais je le lâche assez tôt finalement et je monte pas mal. On passe maintenant à l'épée. Une épée assez simple. J'allais dire l'épée de Link, mais pas vraiment. Mais elle est stylée. Allez, c'est parti. Yep, ok. Le W, d'accord. Alors là, il y a du monde. Hein. Là, il y a du monde. Oh non, j'ai raté. Ok, toujours niveau 13. En fait, c'est surtout le niveau, c'est vraiment la difficulté parce qu'en fait, les niveaux sont générés plus ou moins aléatoirement. Ça passe. Ok, ne gratte pas ça. Et on y va. Pas trop. Hein. Ok, on va en faire un autre. Yeah. Voilà, c'est bon. Et j'ai tout eu. Une petite. Voilà. Gratte pas là. Hop, on en fait une petite. Ça sert à rien. Mais on grappe un petit peu de points. Et c'est bon. Et attention. Allez, j'en fais un gros pour une fois. J'en fais un gros. Et... Ok, pas mal. God, encore une fois. Et niveau suivant. Niveau 14. On met le petit panier de départ. Simple, basique. On y va. On continue. Toutes les pièces sont à moi. Yep. Bon, après, j'ai 3 millions de pièces. Hein. Est-ce que c'est vraiment utile que je ramasse les pièces encore? Je ne sais pas, mais bon, c'est pour le fun. Ok, on en fait une petite comme ça qui sert à rien et une qui casse le mur. Hop, attention, on vise le 2 au milieu. Non, ok, c'était le plus pourri. C'était pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Allez, go! On y va!
On y va. 50, pas mal. J'ai pas touché l'étoile encore. Hein. On va débloquer un nouveau biome très bientôt. Alors là, par contre, j'aurais dû commencer un tout petit... Oh, ça va le faire. Ça va le faire. On la lance un peu... Oh non, trop tôt. À chaque fois, je me fail sur tous ces murs quand ils sont comme ça. Allez, on recommence. Le 25. Ouais, le 25. On y va. Attention, pas trop gros. Yep, on relance et c'est bon. L'avantage, c'est que même si ma spirale est petite, ça casse le mur quand même. Ouh, heureusement que ça l'a touché, là. Alors, il faut le lancer pas trop tôt, pas trop tard. Et c'est pas mal, ça. Non, ça rebondit. Non, à chaque fois je me fais avoir par la même chose, truc de fou. Allez, ça c'est simple. Bum bum. Allez, on veut toutes les pièces. Ce mur, il dégage. Non, j'ai tapé dans ce bout de merde. Allez, pas trop gros, la fois que ça passe. Oui, l'autre elle est passée par-dessus. C'est bon, le gros mur. Oh merde, j'ai lâché. C'est bon, normalement ça va le faire. Ça va le faire. Oh non, ça rebondit sur la. Mais j'en ai marre. Quand je fais deux spirales, il y en a toujours une forme pour empêcher l'autre de faire ce qu'elle veut. Allez. Hop, casse-moi ça là. Voilà, tac. Alors par contre, sur les pièces qui tournent comme ça, je sais vraiment pas comment récolter toutes les pièces d'un coup. Je pense pas que ce soit possible, mais bah là, je les ai pas toutes en tout cas. Là, faut pas taper, et là, pas trop gros. Hop, on va en faire une deuxième. Ok, c'était pas assez gros, mais c'est pas grave. On continue, on va valider ce niveau 15, normalement, il a pas l'air trop compliqué. C'est cool, les tours, c'est très simple à enlever. Et attention, hop, on arrive à la fin. On va pouvoir débloquer un nouveau biome. Oh, il est gros celui-là, il est très gros. Hop là, ok, il a glissé. Nouveau biome, c'est parti. Hop, de l'or. Tac, ok, c'est bon, ça passe. On est au Japon féodal. Allez, pas trop gros comme d'hab. Hop, de quoi récolter toutes les pièces éventuellement. Oh, il en manquait une. Bah si, on la laisse tranquille. Hop, un petit smiley, ouais. Détruisons ça. Oh putain, j'ai failli pas passer. J'ai failli... Oh, le petit 50. Oh, je l'ai vu trop tard, j'ai fait trop gros. Allez, on va essayer de faire un gros truc. Attendez, comme ça, c'est pas mal là. Oh, dommage. Allez, nouvel objet, je veux absolument le marteau piqueur ou bien la carte as. Non, attendez, c'est bon. Ça a pas fonctionné, ça, c'est pas possible. Me dites pas que ça fonctionne. Alors, ok, l'appel, c'est stylé, je trouve. Vas-y, c'est parti. Le petit panier? Le 50? Ah ben non, mais c'est trop gros pour faire 50. Putain, sérieux. Par contre, elle va continuer. Ah non, elle s'est arrêtée, c'est bon. Dommage. Allez, on détruit ces petits murs. Un deuxième. Ah oh, j'ai fait... Regarde, je fais des mini. Ouais, par contre, là, il va falloir faire un gros. Quand même, vu le mur qui arrive. Oh putain, attention. Oh, j'ai fait une minuscule, là. Allez, le mystère. Ouais. Maximum de thunes. Allez, je le fais énorme. Je le fais énorme et sec. Voilà. Bon, ça monte à 5, quoi. Ok, alors là, ça commence difficilement. On peut pas faire des grosses, malheureusement. On m'en empêche. Le 20, s'il te plaît. Oh non, l'autre spirale a gêné. C'est pas grave. Allez, on passe la branche et on casse tout. Vite. Voilà, c'est bon. Allez, la petite tour, elle dégage. Là, on en fait un minuscule. Oh, il en faut en faire deux au cas où. Ouais, c'est bon. Yep. Alors, pas trop gros. Tac. C'est bon, ça passe. Allez, on veut le max. Oh, je suis pas mal. Et ça se passe. Boss. Allez, il en reste plus beaucoup, hein. Tu me la donnes, la tronçonneuse. Ouais. Oh non, ça change au dernier moment. Non, je veux pas jouer avec une sucette, quand même. À la limite, la cuillère, je veux bien, c'est marrant, mais la sucette, c'est bon, quoi. Allez, la tronçonneuse. Oui, allez, c'est bon. J'ai mon objet définitif, là, c'est bon. Je veux plus changer. Yah, je détruis les 6, moi. Ok, le 5, le 10, là, hop, là, voilà. J'en ai même mis 2, parfait. Là, par contre, ça va buter contre la branche, mais c'est bon. Oh non, oh putain, elle a fait me gêner l'autre spirale. Allez, là, maximum. Je veux que ce soit énorme. Boum. Allez, encore. Ouais, non, pas trop gros, par contre, sinon ça passera pas. Et c'est bon, ça passe. Et là, cette fois-ci, oh, il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal. Wouah. Encore une seule lumière, et c'était bon. Allez, on continue. Hop, une petite, là, histoire de récolter les pièces. Hop, et là, par contre, il y a deux lignées de pièces. On a tout eu. Le 50. Et switch. Non, pas du tout. Allez, le 20, peut-être, là. Oh, non, ça rebondit. Non. En plus, ça va me gêner. Non, m'attendre là. Ok, c'est bon. Yep, là. La branche, c'est easy. Tac. Le 50, peut-être. Oh, raté encore. J'ai pas réussi à mettre un seul 50. Allez, là, on veut tout. On veut le max. J'ai fait un tout petit, là. Je sais pas s'il aura cette vitesse, mais si, c'est pas mal. Allez, le 50. Cette fois-ci, il est pour moi. Yep. Allez, le 20, c'est pas mal. Allez, détruis-moi ça. Oh, j'ai pas lâché, je voulais voir ce que ça fait. Ben voilà ce que ça fait. Si tu lâches pas, tu te prends le mur, même si t'as une grande spirale. Allez, donnez-moi le marteau de piqueur, là. Et ça sera le rasoir parfait. Le 50? Non, trop tard. Le 20, le 10, le 0. Oui, c'est très bien. Continue avec moi à la course. Le 5, ça sera pas pour aujourd'hui. On y va. Allez, faites-moi chuter ce mur. Ok, c'est bon. Oula, pas trop gros, s'il te plaît, il y a la branche. Et c'est bon, let's go. Et là, attention, je pense que c'est très très bien, là, ce que j'ai fait. Je pense que c'est...
Oh putain. Dommage. Et ça y est, j'ai eu le marteau piqueur. Alors là, normalement, ça devrait faire des... de la merde, hein. Ça devrait pas faire des spirales, en fait. Ça devrait faire des tout petits morceaux. Bim, 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 bim. Allez. Oh, ça, ce moment que je redoute. Le moment que je déteste. Allez. Oh, mais c'est un truc de ouf, j'y arrive jamais. Allez, le 50. Le 50. Oh non, la spirale m'a gêné, mais peut-être qu'elle est passée ensuite, je sais pas. Attention à la 6. Bon, ça passe. Oh, c'est trop gros, ça passera jamais, par contre. Oh putain, elle a failli me gêner. Oh, j'ai failli taper aussi, là. Allez, le 50. Le 50, c'est pour maintenant. J'en mets plusieurs. Oh non, raté. Le 10 et le 20, alors. Allez. Allez, le jackpot, s'il vous plaît. Le s'il vous plaît. Le méga, pas mal. Ah, on peut détruire les 6, d'accord. Je ne savais pas. C'est bon à savoir. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oh, j'avais mis tellement. Il y en a aucun qui rentre. Et allez, peut-être le jackpot. Oh, il est un peu gros là, mais peut-être qu'il va monter. Peut-être. Oh, ouais. J'ai eu le 100 au moins. Ah non, le 50. Ça m'a feinté. Ok, j'ai eu un petit burin amélioré encore. J'ai eu le cutter. Alors, ça c'est aussi un burin, non? Ouais, un autre. Et bien là, voilà, il n'y a que la scie. Pas le choix. On va débloquer les deux autres également. On a un petit couteau ici. Et comme un pinceau là. Attention. Ouais, j'ai eu le couteau. Et là, on va débloquer. D'accord. Le petit truc de cuisine, quoi. Allez, on y va. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un peigne. C'est bien ce que je disais? What? Mais non. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fout dans ce jeu? On a un snowboard. Allez, je veux la cuillère. Je veux la cuillère. De toute façon, j'aurai les deux. J'ai assez de thunes pour avoir les deux. Oh, la petite cuillère de cantine, tranquille. Et un piano. Un piano, d'accord. Aucun problème. Bah écoutez, on va tester le snowboard. J'ai débloqué tous les skins. Ça, c'est génial. J'essaie de casser la scie. Non, j'ai pas réussi. Le 50, peut-être. Oh non, je me suis fait gêner. Yep là. Bon bah c'est dommage parce que les niveaux sont les mêmes. Finalement, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, mais finalement non. Alors les niveaux, c'est juste le débloquer les biomes finalement. Mais en tout cas, le jeu est très sympa. Oh là, j'ai fait une toute petite, ça passe. Allez, on casse les deux, si, s'il vous plaît. Non, non, ok. Allez, c'est le moment. C'est le moment. On veut le max. S'il te plaît, je veux finir là-dessus. Bon, j'ai un jackpot, c'est... Oh là là, j'ai pas réussi encore à l'étoile. Mais bon, le jackpot, c'est très bien. On a un nouveau biome. Ah non, pas encore, il manque un niveau. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le jeu et la vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et le jackpot pour la fin de la vidéo. Peut-être. Putain. Salut tout le monde, à la prochaine.